qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Allez hop, allez hop, allez hop, ohé, ohé du traîneau. Emmétouflez-vous bien dans vos manteaux. Allez hop, allez hop, allez hop, ohé, ohé du traîneau. De contre l'eau, on se bâtit comme deux moineaux. Bonjour, je m'appelle Olivier Cour et j'habite à Novossibirsk. Je suis français et je me suis installé ici depuis mon mariage en 2003. Je reviens quand même régulièrement en France pour voir mes parents. J'étais officier de marine marchande et maintenant je suis à la retraite. Je fréquente la bibliothèque régionale et en particulier le club français qui a lieu les samedis à partir de 16h. Où nous nous retrouvons et nous parlons français, nous choisissons des thèmes que nous développons. Parfois, nous dégustons quelques gâteaux ou quelques plats. C'est très agréable. Alors, en France, Noël arrive avant le jour de l'an, contrairement à ce qui se passe en Russie, où le jour de l'an précède la fête de Noël. Donc la fête de Noël, c'est d'abord une fête familiale. Une fête où on se retrouve en famille, avec les parents et les enfants. C'est une fête aussi pour les enfants. On décore la maison à l'occasion, avec un sapin, avec des boules, des guirlandes, des personnages comme celui que vous voyez derrière moi. Et puis, surtout, à Noël, on offre des cadeaux, particulièrement appréciés par les enfants, bien sûr, qui attendent le passage du fameux Père Noël. Alors, c'est une tradition assez récente, le Père Noël. Auparavant, ce qu'on appelait les étrennes se faisait au Nouvel An. La maison est aussi, suivant la tradition familiale, on décore aussi la maison avec une crèche. Une crèche, c'est la représentation de la nativité avec des petits personnages. C'est une tradition qui vient de Provence. Et bien sûr, en France, la cuisine est très importante. Et donc, on se réunit autour d'une table pour réveillonner. Au réveillon, enfin, dans ma famille en tout cas, on dégustait les 13 desserts. C'est aussi une tradition provençale. Une de mes grand-mères était provençale et tenait beaucoup à cette tradition des 13 desserts. Ensuite, au repas du jour de Noël, traditionnellement, on a du foie gras, des huîtres, de la dinde au marron, et puis surtout la traditionnelle bûche de Noël. Alors pour le 1er janvier, c'est une fête aussi familiale bien sûr, mais aussi que l'on fête avec des amis. Et bien sûr, on attend minuit pour fêter la nouvelle année. Il y a aussi des feux d'artifice et on boit du champagne avec modération. Alors en Russie, c'est vrai que j'ai trouvé des traditions un peu différentes et surtout la très grande importance du Nouvel An par rapport à Noël. Noël, ça reste une fête plus familiale, plus intime, alors que vraiment ici, le 1er janvier, c'est la nuit du Nouvel An, c'est vraiment la très très grande fête un peu partout, et même dans les rues. Voilà, en tout cas, je souhaite une très très bonne année à la bibliothèque régionale, que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'activités, beaucoup de lecteurs et beaucoup de clubs différents, parce que c'est ce qui fait l'intérêt de cette bibliothèque. Merci. La de l'âge a déjà pris le chemin de retour. Nous allons être surpris par la tombe.